d'accueillir tout le monde, notamment tous les musiciens et tous les danseurs, à cette 36e fête de la Vielle. Alors 36, c'est un joli chiffre qui résonne bien à notre tête. Hein. 36, on pense tout de suite au congé payé. C'est ce qui nous permet d'être ici, tous ensemble, aussi bien les bénévoles que les musiciens, de consacrer beaucoup de notre temps à cette passion qui sont nos associations, et d'y consacrer vraiment beaucoup d'énergie et du temps. C'est aussi, 36, c'est un petit peu aussi l'éducation populaire qui a été relancée par Léo Lagrange. L'éducation populaire, c'est vraiment le fonds de commerce de l'UGMM. C'est vrai que tous, autant que nous sommes ici, les encadrants de l'UGMM, de beaucoup d'associations, nous sommes passés dans les mains de l'école qui nous a transmis cette passion de la vie associative. Et je pense que l'éducation populaire, c'est vraiment la vie associative. On parle aujourd'hui beaucoup de professionnalisme, de professionnaliser cette éducation populaire, mais moi je pense que c'est vraiment le travail de l'association, du bénévole, de la professionnaliser, à mon avis, ça serait un peu la privatiser. L'éducation populaire, elle doit tous nous appartenir. On n'est pas là pour acheter des services ou des choses comme ça. Voilà, ça c'est un peu notre idée, notre travail à l'UGMM depuis longtemps, depuis plus de 31 ans. C'est un peu ce qu'on appelle l'esprit fête de la Vielle, qui a été créé par Alain Vieillard, Gérard Charenton, M. Berthaud ensuite, et Gérard et... Gérard Thierry, j'allais dire. Non, et le deuxième septennat, Raphaël Thierry. Oui, à la création Marcherie, bien sûr. Alors moi, je vais vous donner un petit peu des nouvelles de l'UGMM. L'UGMM va bien, je pense que vous en rendez compte en visitant cette fête. Donc, suite à la démission de nos... Vous savez, maintenant, les associations, justement, pour organiser des manifestations comme ça, c'est un travail administratif qui est tellement important qu'on est obligé d'avoir des permanents. Et la vie a fait que nos permanents nous ont quittés tous l'année dernière. J'ai dit bien quittés, démissionnés. Et voilà, donc on a essayé de restructurer un peu notre vie associative. Les bénévoles se sont réinvestis. Moi, je trouve que c'est une bonne chose. Et puis aussi, ben, on fait travailler différentes missions sur la communication. Et puis, je pense que d'ici l'automne, on refera une petite nouvelle embauche pour ce qui est de l'accueil des gens qui viennent, des gens qui nous appellent, de l'organisation de tous ces deux, de ces plusieurs manifestations. Je remercie aussi Raphaël qui s'occupe de la programmation de tous nos festivals. C'est un peu notre directeur artistique. C'est du luxe, hein. On a... En plus, il est bénévole. Là, voilà. On retombe dans la vie associative et dans l'éducation populaire. Je voudrais aussi vous parler un petit peu de la Maison du patrimoine oral. L'UGMM est totalement investi dans cette Maison du patrimoine oral. Donc, c'est comme tous les structures. Au bout de quelques années, des fois, elle a peut-être quelques difficultés à retrouver ses bases. Et je sais qu'il va se faire un travail, dans les mois à venir, de redéfinition un peu du projet de cette Maison du patrimoine. Et je peux assurer tout le monde que l'UGMM tiendra son rôle et sera très présente. Voilà. Je vais faire quelques remerciements. Je voudrais remercier la mairie de Nau, qui est un de nos principaux soutiens. Le conseil général de Saône-et-Loire, bien sûr, qui est représenté aujourd'hui par Gisèle Colombeau. Et Michel Desmoulins, qui est le conseiller du canton de Justin Lévesque. Et je voudrais aussi remercier, bien sûr, le conseil régional de Bourgogne. Je voudrais aussi remercier quelques aides qui viennent comme ça, notamment des entreprises d'Anneau comme M. Christophe Gessin, comme M. René Fortin, qui sont vraiment à nos côtés tout au long de l'année. Voilà. Je vous remercie tous, je vous souhaite une très belle fête de la Vielle, passez de beaux bals, de beaux concerts, et il n'y a pas de souci, le soleil sera là pendant les 4 jours.